Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment vous pouvez sauver 100 au-dessus de 100$ en faisant ce bloc d'alimentation comme celui-là. Donc j'utilise un bloc d'alimentation de PC. Donc vous pouvez avoir plusieurs forces, mais ça peut être aussi fort qu'un bloc d'alimentation que vous allez acheter réglable, genre, par exemple 12 volts de 20 ampères. Donc une alimentation comme celui-ci peut coûter entre 100 et 150$, peut-être même plus. Donc moi j'ai réussi à en fabriquer un pour en bas de quelques dollars, mais principalement les accessoires, sauf si vous avez pas d'alimentation, parce que moi j'ai réussi à la trouver dans un ancien PC, donc j'ai presque pas eu de dépenses à faire. Donc puis il est plutôt puissant, il est de 230 watts, mais vous pouvez en avoir des plus puissants, de 500 même 600 watts. Une alimentation d'ordinateur ça coûte seulement 30$, fait que déjà là vous économisez 70$ et plus selon la force de l'alimentation que vous achetez. Donc voyons les caractéristiques. J'ai 12 volts 10 ampères, j'ai 5 volts 20 ampères, j'ai 3.4 volts 14 ampères, j'ai mon ground, j'ai moins 12 volts 500 mA, moins 5 volts 200 mA. Donc j'ai une possibilité de plusieurs choix de voltage. C'est très pratique pour tous les projets, ça économise les batteries. Donc j'ai connecté mes différentes prises bananes selon les connexions. Donc quand vous allez ouvrir votre boîte de couronne PC, vous allez avoir plusieurs fils de couleurs. Donc le noir évidemment c'est le ground. L'orange c'est le 3.4 volts. Le rouge c'est le 5 volts. Le jaune ici c'est le 12 volts. Vous allez en avoir à plusieurs quantités, sauf que vous en prenez un rien qu'un, ça va être correct, vu qu'ils sont tous connectés ensemble. Le bleu c'est moins 12. Puis le blanc c'est moins 5. Donc ensuite pour l'alimenter, pour l'actionner, il faut connecter le blanc avec le ground. Donc ensuite votre alimentation va se mettre en marche. Donc vous allez avoir votre courant. Pour en savoir plus sur mon blog d'alimentation et pour consulter mes autres projets, visitez pbelectronique.com.